Bon, monsieur le commissaire, nous, on n'a rien à voir dans tout ça. C'est pas parce qu'on cause à un type qu'on sait ce qu'il fait, enfin, quoi, tout de même. Moi, je le connais pas. C'est le patron du troquet. On y va parce qu'on y bouffe bien, hein? Ben, je pense bien. Même que si un jour vous voulez, monsieur le commissaire, venir casser un morceau avec nous. C'est ça? On se mettra à table ensemble. Aussitôt que Ferré ira mieux recommencer l'interrogatoire, il faut qu'il parle. Et il parlera, même si on ne va pas se coucher pendant 2 jours. Vous entendez? Dis donc, Lisette. Oui? Tu te rappelles ce que je t'ai dit l'autre jour, si des fois j'étais en danger? En danger de quoi? Eh ben, si un jour... Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Alors, t'appelles Turbigo 22 fois. Tu demandes Paul de la part de Henri Ferré. Tu sauras ce que ça veut dire. Paul, c'est le gars qui téléphone quelquefois? Ah non, non, non. C'est un autre Paul. Je cherche pas à comprendre. C'est pas le même. C'est un ami, celui-là. Alors, tu te rappelleras, hein? Turbigo 22 fois. Oui, oui. Turbigo 22 fois. Yes. Mange pas. Non, j'ai pas faim. Alors entendu, t'accompagnes mon ami. Je te l'ai déjà dit. Je m'en balance qu'ils connaissent mes revendeurs. Tout le monde sait que je suis dans la cam. Justement, trop de monde. Il ferait mieux de faire attention à tenir ta langue quand t'as bu. Bon, ça va, te fatigue pas. Bonjour. Bonjour, chérie. Un ami. Bonsoir. Bonjour. Qu'est-ce que tu bois? Une chartreuse. Il va te voir opérer. T'as une livraison pour ce soir? Une livraison? Pourquoi il va voir ça? Puis d'abord, qui c'est ce mec-là? Pose pas de questions. Non, mais t'es pas bien. Un inconnu voir mes clients. T'es cinglé, non? Fais ce qu'on te demande et cherche pas à comprendre. Mais enfin, je ne comprends pas. Fais ce qu'on te demande. Bon. Qu'est-ce que vous voulez voir exactement? Eh ben, je te l'ai dit, une livraison. T'as rien en ce moment? Si. Justement, j'attends un coup de fil. Eh ben, on va voir ça. Sauvage. M'avait fait mal. Qu'est-ce que tu racontes? Quand j'étais jeune, on m'appelait Henri la douceur. C'est sûrement pour moi. Vous voyez, ça n'a pas été long. Ce qui peut être brutal, ton ami. Oui. Porte 25, comme d'habitude, même endroit. Vous venez? Où c'est? Métro Varennes. Je passerai devant et je te suivrai. Il est drôlement organisé, le ski. Vous croyez que c'est lui le grand Manitou? C'est pas affiché. Peut-être un Fritz, un Rital, un Amerlingue. Oh, pour moi, le ski représente que la France. En Amérique, c'était Big Rosillo, mais sûrement qu'il doit y avoir des mecs au-dessus. Le vrai Kate, c'est peut-être... Je sais pas. Les caïds, ceux qu'on voit jamais. Oh, ça fait rien, patron, vous auriez pu me mettre au courant. Je pouvais pas, mon vieux.